Alors le live est lancé. Ouais, c'est tout bon. Donc si on se retrouve sur le petit live sur Don't Starve Together. Donc à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de monde sur ce live. Donc vous la verrez sûrement quand ça sera recodé sur YouTube. Alors juste j'ai pas le son du jeu, donc on va le remettre. Voilà. Et on va jouer. Je ne sais pas. On va jouer Wilson, hein. De toute façon, c'est le perso de base. De ce que j'ai lu, c'est le plus facile à jouer. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, je sais pas combien de temps va durer le live, à mon avis, il va pas durer genre méga méga longtemps. Oh, on arrive avec déjà fermé. Alors, les engrenages, je vais pas nous servir tout de suite, on va les laisser là pour l'instant. Hop. On ramasse un peu tout ce qu'on a. Alors j'ai vu beaucoup de gens qui ramassaient directement les fleurs pour direct pouvoir faire la couronne de fleurs. J'ai moi-même fait 5-6 parties pour voir si c'était vraiment utile et au final non. Du moins ça sera utile quand on commencera à peine à avoir les monstres. Parce que sinon ça va juste nous prendre de la place au tout début. Et ça risque pas d'être bien pratique pour la suite si on veut survivre longtemps, quoi, de faire ça comme ça. Alors j'ai un mode qui fait que le jeu est en français. J'ai aussi une mode, mais bon, pour l'instant je suis tout seul, je suis pas sur un serveur. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont rejoindre le live, ou du moins qui vont y participer, mais c'est absolument pas sûr. On a combien de silex? On a 3 silex, on va partir par là en fait. Il y a l'air d'avoir un game sympa. Alors je connais presque pas le jeu. Là en fait non, c'est pas du tout un game sympa ça. C'est un game marais je crois, et c'est l'un des plus dangereux de ce que j'ai lu. On va peut-être pas y aller tout de suite. Hein. Niveau de lumière, moi j'ai pas le temps de faire un... Là j'aimerais tomber sur un caillou comme ça, moi je suis sûr d'avoir assez de silex ensuite. On va faire une hache tranquille. Ah nice. À pouvoir raiser ce raise. Alors je sais pas si ça marche pour nous, j'ai encore jamais testé. Mais au moins on sait qu'on va pas mourir direct. Du moins on aura encore une vie en plus. Donc voilà, est-ce que ça apparaît sur la mini-carte ça? Ouais ça y apparaît, c'est nickel. Alors comme j'ai dit, hein, je connais pas spécialement le jeu. Mis à part du moins des trucs de base comme là les temps, si c'est dangereux. Alors je vérifie quand même le live, ouais, il est bien lancé. Ça serait con s'il aurait pas été lancé. Alors il y aura, je m'en excuse déjà, il y aura légèrement de la vulgarité. Donc là, comme par exemple, ce que j'ai dit il y a même pas 30 secondes. Et voilà. C'est vrai que c'est pas un stream où il y a un rageux qui gueule tout le temps mon micro. Ça va être menacé. Ou bien, j'ai donné 8 minutes. Ouh, limite. On va repousser notre expo. En route. Parfait. Alors là, on a un truc avec une marbre. Alors, ce que j'ai compris aussi, c'est que Maxwell c'est le grand méchant dans le jeu. Donc, voilà pour l'instant. Il y aura des arbres, on entend des arbres qui poussent. Et qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Ah, il y a une maison de cochon par là-bas, on va aller voir. Elle est ici, sa petite maison. Il n'y en a qu'une seule.
Alors là, pour l'instant, le premier parti, ça a été 8 jours que j'ai tenu, est toujours actif. Mais je me suis fait tuer et il faut que je retourne à un point de résurrection. Camp de morse, je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est un finger. Ok, on peut pas encore y aller. On va essayer de continuer un peu notre chemin, essayer de voir ce qu'on peut trouver comme biome. Alors, qui se divise en 3. Alors là, je sais, il y en a qui disent, mais pourquoi t'as pas fait le H? Pourquoi tu ne trouves pas ce bois? C'est vrai que je pourrais, mais voilà. Ah bah nickel. Là, ce que je voulais, c'était d'abord tomber sur les cailloux, pas sûr après d'avoir 6 X. Pas beaucoup, j'en avais 3 en fait, j'étais un peu idiot, mais on verra. Parce que dans tous les cas, j'étais sûr d'avoir 6x, sinon la hache il en coûte que 1 et la pioche il en coûte 2. Alors il y aurait eu un camp de cochon là à côté, je me serais bien installé, mais. Pour l'instant, il semblerait que ce soit pas le meilleur endroit où on puisse se mettre. Silex. Waouh, il y a plein de cailloux. On a les mini glaciers, je sais pas encore à quoi ça sert. Hein. Je suis vraiment débutant sur le jeu. J'ai regardé 2-3 tutos histoire quand même de ne pas y aller en mode gros aveugle. Hop, on va mettre un peu tout ça. Alors aussi. Pour l'instant, vous devez remarquer que la qualité c'est pas super, il y a des bandes noires sur le côté, etc. Logiquement, je pense que d'ici le prochain live, j'aurai mis des infos sur le côté, donc pour en passer les bandes noires. Mais c'est que là, j'ai pas eu le temps d'y faire. Moi, j'ai pas pensé à y faire avant de lancer le live, donc voilà. Alors je mixe un peu entre les touches, hein. Je me sers un peu du clavier et de la souris parce que le clavier est vachement plus utile par exemple pour amasser les objets sur le sol. Ça évite de taper les cochons ou autre quand il y en a à côté. Et ça permet aussi de suivre comme ça l'écran, ce qui est assez utile. Bon, on va continuer à droite. Hein. Alors j'ai fait une partie hier, je suis tombé contre une jump mouche, mais je crois pas que c'était dans ce boom là. Gros nid d'araignée, il y en a même deux en fait, je crois. Ouais, il y en a deux. Hop. Excusez-moi en fait, il y en a plein. Ça par contre, c'est assez violent. Étant donné que j'ai pas d'équipement, on va pas faire les fous à foncer dedans. Mais il y en a une tonne à première vue. Ça serait de trouver une zone peut-être par là-bas. Ok, un truc là. Ouais, il y a un truc. Ok. C'est du marbre. Ah, c'est des pions en marbre. Waouh, ça a l'air d'être géant ce désert. Ok, il va bientôt faire nuit. J'ai pratiquement pas de nourriture. Je vais prendre encore une torche, à savoir que la torche elle dure pile la durée de la nuit. Donc ce qui est assez pratique pour quand vous êtes encore en mode exploration, vous n'avez pas trouvé de camp ou autre. C'est vrai que la partie là où j'étais à 8 jours, j'ai fait durant les 7 premiers jours que de l'exploration. J'avais pas encore posé mon camp. Et pour preuve, quand je l'ai posé, je me suis fait exploser. On va essayer de poser peut-être un peu plus rapidement. Si au moins vers le jour 4. Si j'ai pas trouvé l'emplacement au jour 4, bah, j'essayerai de me mettre un endroit déjà exploré. Voilà, on a partout ces araignées.
Il y en a vraiment de partout. Hop, hop. Non, 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 pas mal. Ok, miné. Alors j'ai un chien dans la gorge. Hop, continue d'avancer. Il a mouru. Hop. Voilà, moi j'ai B, ils sont pas cuits. Mais c'est pas grave. Ah, je crois qu'à la limite on pourrait peut-être Ah, je sais pas. Ici ça pourrait être sympa, mais j'ai pas vu beaucoup de nourriture dans. Dans ce mini forêt et. Ça serait bête de mourir parce qu'on n'a pas de nourriture quoi. Alors, on va foutre l'expo, puis si on trouve rien, on viendra peut-être se mettre. Ah, j'aurais la bibliothèque hier, j'aurais. J'aurais à la limite fait une pelle pour essayer de ramasser. Les buissons. On peut faire une des champs de buissons avec un râteau et on va même carrément les mettre dans la zone de désert là. Enfin, je sais pas si ça aurait bien marché mais bon. Alors on va bientôt terminer. Il y a un dindon. J'ai connu le dindon. Là où là où là. Lui calme l'araignée. Calmez-vous, calmez-vous. Voilà pour faire la guerre. Là, il y a cette petite maxe qu'on a vu tout à l'heure, on va partir à gauche. On va pas explorer à gauche. Voilà. On va la crafter en avance. Comme ça j'ai juste à switch en appuyant. Pas que ce soit bien inutile d'aller voir l'éléphant à ce stade du jeu. Je sais pas si c'est plus la vie, c'est un dernier. Ah, attendez. Et voilà. Fallait que ça arrive. Hein. Ça n'a pas été normal sinon on aurait traversé cette forêt sans secondes. Ça part un peu un moment sur la gauche là. Non. Ah mon ami, ouais. C'est une île. On va partir d'ici, ça sert à rien. On pourra pas ce qu'on veut dans le coin. Ah, oui, il y a un cochon qui est en train de se faire avec lui sa cabane. On va pas la viande. Voilà, elles sont gentilles ces derniers, je sais. Ah bah non. Ah punaise. Si seulement elle aurait été là, on aurait eu de la viande gratuite. Non, on aurait eu deux morceaux au lieu d'un. Waouh, il y a la merde de partout. On va pas pouvoir avancer. Alors aujourd'hui on a quoi, 34 pierres, 31 silex. Alors c'est un lâche, on va couper un peu de bois comme ça moi. Donc, la prochaine nuit on pourra faire un petit feu de camp tranquillou. Hop. On va couper celui-là. C'est un marais, hein. On va essayer de partir en haut. On espère en survivre. Alors moi je me suis fait un preset en facile et du coup là je voulais
je l'ai pas mis parce que je me suis dit autant essayer de survivre à la dure sur le classique. Parce que je me suis rendu compte que même sur un preset facile, au final ça se. Enfin, quand je dis facile, c'est que j'avais mis qu'il y avait plus de buissons et de buffalo, mais je me suis rendu compte que c'était quand même la galère. Donc c'était tout aussi mieux si je jouais en partie normale. Voilà, on avance. Et de la savane, nice. Ça c'est nickel, par contre on va manger. Il faudra qu'on ramasse des fleurs aussi bientôt. Je sais pas si vous voyez, on est à 159, je crois que ça va sur 200. Et alors je vais pas chasser de lapin parce que dans une partie je me suis dit tranquille, je m'étais fait un repère à côté de lapin. Puis au final ben c'était pas si rentable que ça. Et aussi j'ai lu qu'il y avait aussi un monstre qui attaquait si on en chassait trop. Alors là par contre on va aller. Il y a une route ici. Essayez de suivre la route. Ah, encore de la savane. Ah d'accord, ok, la route est tellement haute. Bah tant pis. Ah, je gagne un peu tout ce qu'on a. Hein. Alors j'ai aussi lui qui sont sous le cadenas, ça nous rend un peu fou. Mais pour le coup, j'ai envie de dire qu'il y a une route en fait. Il allait dire qu'il ne tente rien à rien, mais on a une route. Ok, elle s'arrête ici. On va voir, avec de la chance, ça va peut-être nous mener sur un village de cochons. Ce qui sera assez sympa. Allez, ce pétard va bientôt faire nuit. Merci, Captain Blues. C'est quoi, ça fait un rond, non? Ouais. On va ramasser le buisson avant. Bon, j'entends des bruits d'abeilles, j'aime pas trop ça, mais... Elle s'arrête dans le secteur. On va voir. Ça par contre j'aime pas trop. Ce qui me semble, il y a des zombies qui peuvent pop. Qu'est-ce qu'on va faire? Encore une séparation, non? Ok. Ok, ça s'arrête ici et il y a. C'est un gars. Oh. Il y a un bruit bizarre. Ah, encore une route. Ok, bon. On a des araignées aussi. Oh. Non, l'araignée, tu me laisses tranquille. Les carottes pour les manger. Comme ça on a du nourriture. Bien qu'on ait déjà une 13B mais. Ah, il y a un bruit bizarre. On va bien cliquer cet arbre, on va aller voir ce que c'est.
J'en ai besoin, mais on va la manger tout de suite. Hein. Faire cuire nos carottes. Alors je vais garder les graines et les baies au cas où je m'entoure sur un point de cochon. Ça pourrait être très pratique pour avoir des excréments. Alors, disent que ça suffit, moi j'en joue tout mon petit peu de moustille, mais je suis tranquille, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des sauces machines. On peut faire des pièges à lapin. Alors, c'est vrai que les pièges à lapin marchent aussi sur les araignées. Chose que je ne savais pas avant. Donc, il y a ce type de choses. Oh, on peut faire un. Je crois qu'il y a que celui qui en pire qu'on peut casser. Mais... Allez, on continue. On va ramasser les fleurs. Pour remonter un peu la santé mentale. Oh non non, tu t'approches pas de l'un, c'est mébé. On va un peu les brasiers qui traînent. En fait, la couronne de fleurs, de ce que j'ai remarqué, elle permettait la journée de faire remonter le la santé mentale. Qu'est-ce qu'on a qui s'est débloqué là? C'est bien. Touche. Protection chic. Et portable. D'accord, ok. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert en vrai. C'est bon, on n'a pas encore de sang. Alors, au niveau des abeilles, c'est les rouges qui nous attaquent tout avec le mortel. Donc là, le champ, on prend rien avec les petites jaunes. On est déjà passé ici. Je pense pas que ce soit très optimisé parce que j'ai fait de revenir sur mes pas. Mais bon, là ça fait que de l'eau tout autour, alors il fallait que je parte vers ici encore. Je sais pas si ça va bien fonctionner tout ça. Alors je sais pas ça fait combien de temps que le live est. Ça fait 24 minutes, ok. Au pire, je vais découper les vidéos avant de les mettre sur YouTube parce que je pense pas que ce soit super agréable de regarder 1h30 de live d'un Kinect. Enfin, je parle quand vous êtes sur YouTube quoi. Hop. Ok, on va lancer. Bon, mais c'est qu'on va mourir, je pense. Hein. Je sais même pas si on va atteindre le jour 8 là, avec ce. Où qu'on aille, il y a. On va parcourir déjà tout ça, mais bon. Ah, tiens, les glaciers se sont mis en glace. Parce que je crois qu'au tout début, je les ai croisés, ils étaient au fond. Là il y a le trou du
On va aller dans les... Là-bas dedans. On va voir le... Comment il se trouve là, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Enfin dans le trou de verre en fait, je suis vieux. Ouais voilà, trou de verre. Ok. Aussi on ressort. Ok, on ressort ici. Bon. Ça va être assez sérieux en fait dans tout ce que j'ai mis comme quoi c'était genre méga dangereux là, dans ce biome. Ouais, il y a quand même gros truc. Pas du. Alors je sais pas à quoi ça nous sert les roseaux pour l'instant, mais oui. C'est bon, la tentacule, on a compris, on se bat. Ah, vas-y, c'est 5 mètres, il y en a une qui apparaît quoi. En fait, c'est une mauvaise idée. Quoi. Fou, il y en a deux. Qui va l'emporter pour le coup. Ah, ben c'est ouais, bon, bah tant pis. J'ai plus l'impression qu'on soit maintenant plus sur là ici il y avait quelque part qui double là c'est pareil essayer de percer vers la part. Ok, il y a peut-être plein de ça, hein. Juste la vie. D'accord, ok. Enfin, les fleurs nous rendent juste de la vie. Parce que là, il n'y a pas un petit chemin, là, quand même, juste en face. Est-ce qu'on a le droit de se faire? Ah bah voilà. Ah.
Et ben voilà. Tuc 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 tuc. Et bah ça si c'est pas nickel. Alors gros village des cochons. Est-ce que c'est un endroit idéal pour s'installer? Pas de ce côté déjà. Ça, ce live là et puis on se voit peut-être pour un autre live. Un live, oula.